début, c'est la vie, c'est l'être, et un peu par extension, c'est le monde des idées, donc un peu le monde spirituel, tout ce qui échappe au temps, à la matière. C'est à cet endroit qu'en tant que compositeur, ou à mon avis que n'importe quel artiste, va puiser, va chercher la matière première pour l'incarner en son, en image, en ce qu'on veut. Avec l'ensemble Mélisme, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Des moments où j'ai vu Mélisme en concert, ça fait de nombreuses années. Je me suis dit, j'ai très très envie de composer pour les voix et pour cet ensemble. Je me suis rendu compte d'abord que la création c'était quelque chose d'essentiel, que de fréquenter un compositeur ça n'arrive pas tous les jours, la plupart du temps on interprète des compositeurs qui sont plus en vie, et que c'était une espèce de source très vivifiante quoi. C'est ce qui me touche le plus, la voix finalement, mais la voix avec le cœur, voilà, la vibration de la voix, les frottements, l'espace mental que ça développe, et émotionnellement ce que moi ça me fait, ça je l'entends avec Mélisme. Le fait que ça soit aussi dans l'écriture ancré dans la musique ancienne, avec des couleurs comme ça qui surgissent de temps en temps, on a tous des modèles en fait dans l'oreille, donc ça fait appel à la fois à ce qu'on connaît déjà et en même temps en nous emmenant ailleurs. En nous surprenant, et ça c'est vraiment très appréciable. Forcément ça va circuler dans les deux sens, c'est-à-dire bien sûr Olivier nous apporte sa musique, sa personnalité, sa présence, et nous ben, on va incarner un tout petit peu ces sons. Votre énergie, elle est répartie sur une durée trop grande, au lieu d'être là au maximum au début, et après il suffit d'attendre et d'écouter, en fait, vous voyez ? Il y a le cœur, dont on pourrait dire qu'il est un personnage. Il y a le chef, qui généralement est simplement avec le cœur. Et là, il y a le compositeur. Et donc, c'est une espèce de circulation, en fait. Pas seulement d'informations, mais d'énergie. Ça, c'est des choses qui vont se faire aussi. Ouais, ouais. Voilà, d'essayer d'avoir conscience du volume des autres pour ajuster. Si in the most quiet way, je vois Gilda travailler avec le cœur, où il les emmène et comment il les emmène. Pour moi, c'est exactement ça.